Alors que le coup d'envoi donc va être donné à l'instant même, et c'est les Saracens qui le donnent par l'intermédiaire de Thomas Castagnède. Dans les 22 mètres du stade toulousain, Cazalbou. La balle va-t-elle sortir? Oui. Oui, Thomas Castagnède n'a pas pu la contrôler. Oui. Bracken fait l'introduction. Oui, une mêlée des Saints qui n'est pas très stable. Et qui permet au stade de récupérer la balle. Ça pèsera sur le match. La bite pour Cazalbou. De Legge. Superbe. C'était une passe au pied pour Marfin qui va marquer l'essai. Essai de Marfin, essai en coin. Troisième minute du match et le stade toulousain ouvre le score. L'entame a été au combien hésitante. Voilà, on revoit cette mêlée. Je vous l'ai dit, une mêlée qui va peser sur le match, qui a permis de récupérer le ballon des Saints. Petit coup de pied par-dessus de Cazalbou. Marfin est tout seul, n'a plus qu'à courir. Il le fait très très bien. Voilà. Et un certain Thomas Castagnède ne peut rien y faire. Très belle réussite dans cette entame hésitante avec un essai qui est arrivé à la quatrième minute alors que rien ne le laissait présager, mon cher. Les Saracens ne perdent pas beaucoup de chance. 22 secondes, il a mis pour tenter cette pénalité. Thomas Castagnède, elle passe entre les poteaux. Voici donc les Saracens qui reviennent à 2 points du stade toulousain. Dans les 22 mètres, les Saracens, ça devrait passer. C'est tendu et ça passe. Toulouse 8, Saracens. De Legge. Oui. Ah, très bien joué. Le soutien, il est dans l'âge, il est à suivre. Michel Marfin à la lutte. Macré en couverture qui se rate. Et c'est entre les poteaux. Oh, quelle erreur! Voilà, on va la voir. Alors, très joli choix de Legge parce qu'il n'y avait pas, il y avait un sous-nombre pour les Toulousains. Petit coup de pied par-dessus. Et là, le magnifique loupé de Macré, oui. Ça n'arrive pas qu'au cinéma. En attendant, après une, on va dire, une année blanche, retour de Legge, et j'ai l'impression qu'il est en forme, Yann De Legge. C'est lui le titulaire du poste aujourd'hui. Alain Penaud n'est que remplaçant. Alain Penaud qui, je vous le rappelle, a porté les couleurs des Saracens comme c'est là. Bracken a fait l'introduction. Deep Rose tout de suite. Pour Bracken qui choisit le petit côté où s'est fait oublier O'Mahony. Oh, il y aura essai. Essai. Il y aura essai. Essai de O'Mahony. Ah, on va voir ça. O'Mahony est seul contre deux Toulousains. Regardez. Marfin. Et il arrive. Ah mais ça chauffait, hein. Ça chauffait depuis un petit moment. Et Callum Bracken, le baptisé le petit singe blond. Il tente la transformation au coin de cet essai. Il réussit, le diable. Et à cet instant, pour la première fois depuis le coup d'envoi. Il est exaucé. Regardez, il est obligé de se mettre en travers. White l'amène en bas. Wallace l'amène en bas, pardon. Ça joue côté fermé. Sur les 22 mètres du stade toulousain. Chesney en force, plaqué away, sur la ligne des 22. Bracken qui va organiser. Voilà, ballon lent. Ça sera peut-être tentative de drop, absolument. Qui passe. Accordé. Le drop réussi. Mal à cet instant. Et qui fait du bien au rugby. Il joue très bien. Oui, Pierre, retour de Michel Marfin sur le terrain, la place de Clément Poitrenaud. Il avait pris un choc tout à l'heure sur le sommet du nez, en fait. Un peu sonné, il a récupéré maintenant. Et Thomas Castagnède qui est beaucoup dans le camp toulousain et de marquer de temps en temps une pénalité. Petit côté avec Thomas, voilà. Qui a sollicité Thomas Castagnède dans le fermé. Et les jambes de Castagnède, le soutien, là, il y a le gueur. Oh, il s'arrache. Il n'est plus qu'à un mètre. Bracken essai. Maintenant, et c'est un essai de Grucock, me semble-t-il. Non, c'est Scott Murray qui marque. Avec cette échappée petit côté, regardez. Très belle course de Thomas qui libère. Legger qui s'arrache extraordinairement. Et il n'y a plus qu'à ouvrir, il n'y a que des Anglais. Deuxième essai par conséquent des Anglais. On revoit Thomas, voilà, qui ne fait pas le pas de trop, qui passe avant le contact. Et Legger qui s'arrache, ça m'impressionne. Ballon libéré pour Cazalbou. De Legge pour Stensness. Qui a fêté la passe, qui n'est pas plaqué.
qui avance de 10 mètres. Il y a un coup à jouer à droite. Ligne. Il y a un coup à jouer à droite. Oui, bien vu. Oui, passe à voilà. Bien vu. Super. Bien vu. Essai de Garbajosa. On passe le premier rideau défensif, tout simplement entre guillemets, par Stensnes. On fait le break, on joue dans le dos des Sens et intelligemment on écarte de suite sur le surnombre. J'allais dire c'est simple, mais à ce niveau-là, c'est pas si simple. Mais c'est comme ça, il faut que le stade retrouve un jeu collectif. Ils en sont tout à fait capables, ça va leur faire du bien ça. Et c'est d'abord un plaquage raté de Macré sur Stensnes. Stensnes qui continue sa course, voilà, qui gagne encore 2-3 mètres, ce qui fait que les Saracens sont obligés de reculer, qui libère très très bien sa balle. Et le petit coup d'œil. Alors Mélessens. Voilà, là, oula, le stade domine. Sortie gênée, c'est déjà pas mal. Macré en pivot, a sollicité Grucock, plaqué. Ballon toujours pour les Saracens. Cairns a mis la balle au sol. Un essai là serait terrible moralement. Kalin ne peut pas jouer la balle. Bracken, le drop de Castagnède. Dans l'axe et ça passe. Avec lequel, je vous rappelle, il y a 6 ans, il a remporté la Coupe d'Europe aux dépens de Cardiff. La première Coupe d'Europe. Important ce drop parce qu'il remet les Saracens hors de portée d'un essai. Et ça, moralement, c'est difficile quand on sait qu'il faut Morel. Bracken. Et il me demande puisqu'il joue largement avec le Mahoney. Absolument. Auteur du premier essai en débordement. La balle se rend touche à une dizaine de mètres de la ligne d'essai du Stade Toulousain. Il n'attend même pas les sorties de jeu, Alain Roland. Il siffle la fin du match sur cette victoire des Saracens aux dépens de Toulouse par 32 à 22. 22 points de Thomas Castagnède.